Et bonjour à toutes et à tous, c'est Nathendo et bienvenue dans ce nouvel épisode de Xenoblade Chronicles X. J'espère que vous allez bien, nous allons découvrir si en les attaquant on se fait défoncer la gueule ou pas. En tout cas, ça serait intéressant d'en savoir plus sur leur... Ok, ils font éther. Sur leur attaque, leur résistance. Ok, éther et physique. Ils n'ont pas l'air d'être résistants au... au laser. Ouais, physique et éther. C'est éther ça? Ouais, c'est éther. C'est éther. L'autre c'est gravité. Enfin bref, c'est l'œil quoi. Je sais jamais si c'est l'éther ou la gravité. Mais la gravité c'est plus le symbole tornade un peu. Ouais, c'est bien l'éther. Bah, c'est marqué lance d'éther donc c'est forcément éther. Mais c'était pas marqué lance d'éther tout à l'heure. En tout cas, j'ai pas regardé. Ok, bon, en tout cas, ils se font bien éclater par le laser, j'ai l'impression. Paf. Ah merde. Hop. Ouais, ça me va. Franchement, ça me va. Ok, on l'a tué. On a obtenu un arc. On va aller voir. On a obtenu quoi comme art? Ok, la musique est sympa. Peau absorbante, on a deux, attendez. Attention, on l'avait déjà. 7 PV, ça fait quoi ça? Accord barrière. Évitation immédiate. Cible un allié. Propriété aucun, coût 0. Barrière 1. Ok, ça me donne un barrière. Une barrière. Ah, on a ça aussi, attendez. PT, inflige des dégâts d'éther. Plus boost ses dégâts si une aura est activée. Inflige 100% de dégâts en plus lorsqu'une aura est activée. C'est pas mal ça. Est-ce que je le mettrai pas à la place? L'armure. Ouais, l'armure elle est pas mal. C'est quoi ça? Inflige dégâts d'armes plus évanouissement. Inflige sommeil. Le sommeil il est pas mal. Presque même mieux que le canon. Après j'ai deux PT. J'ai pas besoin de ça. Est-ce que vaut mieux ça? Boost le potentiel, plus attaque à distance, plus résistance à l'éther. Boost l'esquive, plus régénère les PV. Peut-être que je gère la récupération. Et on a subterfuge. Ah, mais on en a eu plein des arts en fait. Subterfuge. Inflige anti-résistance handicap. Ouais. Est-ce que j'améliorerai pas juste ça au moins au niveau 2? Comment je fais pour améliorer Y? Non, c'est pas ça. Merde. X. X, ouais. Ça va, j'étais pas loin. Hein. 18, ça fait chier. Ça fait passer 400%. Ouais, c'est 100% des dégâts quand même. C'est pas dégueu. Elma. T'as des beaux trucs, toi? Le bourreau. Fais quoi, ça? J'ai des pétés d'armes, ouais. Accord de l'heure. Réduit du PV à moitié pour 1000 PT. Dégâts d'éther, plus les PV sont faibles, plus les dégâts sont importants. Ah, ça marche bien avec les deux, quoi. Ou sa précision. La masse soifée. Ouais, il y a plein de trucs, elle. Hein. On va laisser comme ça. Pour le coup. Et l'in, est-ce qu'il y a des trucs qui servent à rien? Corps de résistance thermique. Ça, ça dépend s'il y a des trucs thermiques. Hein. Peut-être mieux la peut-être la barrière. Hein. On avait des handicaps. C'est pas trop mal. Okay. Et là-haut. Là-haut, ah ouais, il a rien de. Il a rien d'amélioré lui. Attends, il a quoi? Il a inflige des dégâts d'armes anti-résistance. Attaque à distance, plus boost la précision. Inflige des dégâts électriques. Inflige des dégâts d'armes. Inflige des dégâts d'armes. Inflige des dégâts d'armes. Boost les champs critiques et régénère les PV. Inflige des dégâts d'armes. Ouais, mais en fait, il inflige tous les dégâts d'armes. C'est anti-résistance physique et boost les dégâts. Chute sur les humanoïdes. Boost les dégâts d'appendice. Facilement combo. Franchement, la chute sur les humanoïdes, on s'en fout.
Quoi que contre le boss, ça peut être intéressant. Combat corps à corps. Est-ce qu'il y a d'autres trucs intéressants? Démon de la vitesse. Réduit le temps de charge en courant. Régénère les PV. Ouais, plein de trucs. Vous savez quoi? On va améliorer juste ça. Niveau 4. Attendez, mais il a autant de points? Il y a autant de points de combat et passer niveau 4, pas mal. Est-ce qu'on a au-dessus, on a les compétences? Est-ce que là-haut t'as des compétences qu'on n'a pas? On lui a pas mis de, on lui a pas mis de compétences. Yes. Donne plus 10 de chance d'infliger, booste les dégâts électriques, booste les chances de combat critique. Faut lui mettre une arme électrique du coup. Ah, je les ai pas équipés, yes. Faut lui mettre des dégâts électriques à là-haut. Statue. Parce que même si elle est boost. C'est pas statue. C'est équipement. Là-haut. Physique. Est-ce qu'il y a des terres électriques? Mais je peux pas les mettre. Ma flûte, hein. Zut, bon, on va avancer. C'est par là qu'il faut aller. On va essayer de ne pas les réveiller. Parce qu'autant 1, on l'a tué relativement facilement. Autant 4, j'ai un peu plus de doute. Comme c'est que au bruit. Moi, j'aime pas mal la musique là. Un peu angoissante, stressante. Elle est pas mal. Globalement, l'OST, à part NLA, est plutôt bien. Ah, ils ont vraiment chié NLA, quoi. C'est dommage parce que c'est celle qu'on entend le plus. Enfin, le plus souvent, on va dire, plutôt. Hop. Ouais, mais ils sont vraiment hyper... Enfin, ils sont moins nombreux que... Territoire inexploré, cratère de Mira. Ah ben voilà, c'est là qu'il faut qu'on aille. Est-ce qu'on sauvegarderait pas, tiens? On va sauvegarder juste avant. Comme ça on est bon, quoi. J'ai du Miranium à dépenser, là. Ouais. On ira le dépenser après. Ils ressemblent donc à ça, leur vaisseau. C'est intriguant. Aucun signe de radiation, rien sur le détecteur de mouvement à infrarouge. Ce truc est mort de chez mort. Oh là là, donc c'est censé être un scale, c'est ça? Mais il a rien à voir avec le nôtre, ou ceux du ganglion. D'où peut-il venir? Bah c'est un... C'est un mecha. Ouais. Wow. J'avais même pas déterminé de quoi il fait son armure. Du premier Xenoblade. C'est un Mekonis. Un Mekon. On n'en sait rien. Quelle est cette sensation? C'est... oppressant. Cela provient de cette chose. C'est presque comme si... le fantôme de son pilote s'attardait encore ici. Et cette substance-là, au cœur, c'est de la matière noire. Cela doit être leur œuvre. Demandez à Elmas si elle a une idée de ce que cela pourrait être. Se montrer inquiet. Curieux. Non, aucune idée. Je peux montrer inquiet. Bon, nous avons ce que nous étions venus chercher. Appelons les hélicoptères de récupération pour qu'ils ramènent tout ça. Lynn, contacte le commandant Van Damme. Je m'en occupe. Très bien. Pour y aller.
coup d'hélicoptère, s'ils en ont. Ils en ont. Ah ouais. Et là ils y arrivent, mais du coup dès qu'on va le déplacer, ils vont se faire attaquer. S'ils n'arrivaient pas à l'extraire les autres. Très bien, on devrait rentrer aussi. Ils vont se faire attaquer, c'est sûr. Les gens manquent autant rien que de savoir qu'on va repasser à côté de tous ces infectés. Tatsu, ouais, ce qu'il faut. Un pote se recharge avec gamelle succulente de Tatsu. Ouais, en tout cas, il a fait un effort sur la présentation. Tatsu, qu'est-ce que tu fais là? Ah mais merde, Tatsu savait que Pot aurait faim. Alors Tatsu est venu livrer un repas chaud avec hélico tournant. Il va se faire bouffer. Tatsu est véritable héros pont. Mais quel idiot, tu vas attirer les infectés. L'ennemi doit se détendre. Après un repas rapide, Tatsu repartira par hélico tournant aussi vite qu'arrivé. Mais ils sont partis. Et comment tu comptes t'y prendre? Tous les hélico tournants sont déjà partis. Tu vas devoir rentrer en marchant, en passant devant tous ces infectés. Bah bravo. Tu ne tiendras pas plus de 10 secondes. Peut-être on a encore le temps de trouver un hélicoptère. Nope. Trop tard. On dirait que quelqu'un d'autre fait un repas chaud. Absolument. Tatsu, ne bouge pas d'un millimètre, d'accord? Oui, oui, oui. Bon, bah rip, hein. Bravo. Bravo Tatsu. Comment ça les nopons ne servent vraiment à rien? Mais pas du tout. Voilà. Hop. Ouais alors. J'aurais dû hein. Mais j'avais pas. Je peux pas savoir. Faut les booster avec une aura, donc on va mettre une aura. Et on va booster ça. Ah ouais. Ah ouais, j'ai fait 12 000 dégâts là. What the fuck. Qu'est-ce qui vient de se passer? Ah bah c'était efficace. Inflige des dégâts d'éther plus booster les dégâts. Bah... c'était efficace. What the fuck, j'ai jamais vu ça. C'est la première fois. Ok, immunisé évidemment. Évanouissement, ouais, ils ont pas l'air de... Ouh là là. Ah oui, mais là j'ai pas de quoi te heal là, ma copote. Aïe. Ok, ça c'est bien. Ah ouais, ça coûte des pétés de les tuer, mais merde, elle est morte. Ah, c'est pas bon ça. Voilà, je suis pas en bon état aussi. Faut que je me mette ça. J'aimerais bien avoir mes 3000 que je puisse les... Ah bah je suis mort. Merde. Aïe. Flûte. Ah ouais, non mais pourquoi on... Pourquoi? Pourquoi on est l'autre bout du monde? L'autre bout du monde. Non, mais pas ça. Équipe, équipement. Alors, physique et éther, du coup. Physique et éther. J'ai des protections éther, il me semble pas que j'en ai vu. Ça va être embêtant, ça. Ah là, il y en a 10. La protection éther. Franchement, c'est l'eau marché, hein. On va retourner du coup, on va en profiter pour retourner à NLA. NLA. Allée des armes. Elle est où? Là. Hop. Ah bah si, là il nous faut de l'éther là. Résistance à l'éther. Donc dépensons notre miranium. Dans je ne sais pas quelle entreprise qui fait de l'éther. Est-ce qu'on en a une déjà qui fait de l'éther? C'est embêtant si c'était pas le cas. Créer de nouveaux équipements, est-ce qu'on en a? Équipement de protection.
Là, celui-là fait 30 par exemple. Il manque des éléments, merde. Bon. Mettre à jour les caractères de combat. C'est ça, c'est là si tu mets des inserts. Tu mets des améliorations. Non, mais des améliorations. Ah oui, c'est ça. Ah. On passe au potentiel 5. Ouais, c'est vrai qu'on a des améliorations à faire. On va pas le faire, mais... on pourrait. Ils font quoi, eux? Ok, face au non-physique. Face d'attribut non-physique. Ça, c'est physique. Ça, c'est anti-laser. Il est pas stable. Il utilise l'éther. Ah. C'est ça, l'éther, du coup. C'est Meridisenko. Petit à petit, ça va... voilà, on va investir. Hop, est-ce qu'il y a moyen que j'achète du coup ici équipement de terrain, de l'armure, pour de l'éther, là c'est 10 d'éther, ouais mais ça coûte une blinde, je n'ai pas les fonds voyons. Si, bah pourquoi je peux pas l'acheter alors? C'est le niveau, niveau 25, ouais, c'est ça, c'est le niveau, ok. Ah, là j'ai de l'éther. Ça, ça fait de l'éther. On peut s'en prendre un, hein. Par contre, pourquoi? Ok, si, ça va. Hop. Il n'y a pas éther et physique, j'ai l'impression, malheureusement. Attendez, c'est... il n'y avait pas moyen de... si. C'est quoi ça? Juste. Ça coûte 18 000 balles. Sérieusement. Il n'y a rien. Ouais, c'est pas grave, c'est qu'on perd de la physique en faisant ça. Le truc, c'est que c'est pas électrique qu'il me faut, c'est du physique aussi. Il faudrait que j'ai un... un buste... ça va pas ça. Il faudrait déjà que je me mette l'équipement physique. On a fait ça l'épisode d'avant, mais il faut le faire à chaque fois en fait. Donc là je suis avec l'éther, donc c'est ça qu'il me faut. Là j'ai du physique, donc faut que je garde ça. Là j'ai de l'électrique, c'est ça qu'il faut que je vire. C'est l'avant-bras. Est-ce que j'ai un avant-bras d'éther? Non. Il faut que je change les avant-bras. C'est ça, hein. Faut que je change les avant-bras. Et celui-là il me fait... il faut que je mette de la physique. La résistance physique. Ça, par exemple. Ok. Donc là, il faut que j'achète deux avant-bras. Ici, il faut que je remplace... voilà, par exemple ça. C'est pas simple, hein. Équipement de terrain. Je pouvais filtrer, non? Voilà, Y, équipement. Pouvant être équipé, propriété. Éther. C'est celui que j'ai. Ah, faut sérieusement que je fasse tout. C'est celui-là. Mais lui, il me donne... non, c'est pas avec ça, du coup. C'est avec ça, on avait dit. Les avant-bras. Pour être équipé. Éther.
Éther ou physique, hein. Ah mais là je perds de la je perds du physique. Donc on va mettre physique. Ok, je gagne en physique avec ça. Ok, bah on va prendre celui-là. Ah mais c'est du niveau 5. Peut-être mieux celui-là. Peut-être mieux celui-là. Hop, bras droit. Pareil pour être équipé physique du coup. On va mettre ça. Hein. Hop. Et les jambes, c'était du physique aussi, mais est-ce qu'il n'y a pas éther du coup? Pour être équipé. Éther. Ça baisse, ouais, de la physique. Ça baisse du physique. Bon, on est bien là. C'est ok. Elle ma physique, faut que je l'enlève. Le torse. Je vais mettre de l'éther. Elles sont pas très développées, hein. D'une blinde bien. Hop. Non, les jambes, c'est du physique. Ok. Pareil, on a son bras. Éther. On va prendre celui-là. Ok. Et le bras droit. On est déjà en physique. On a 20-20 là. On est ok. Et Lynn, il faudrait que t'aies un. C'est lequel qui te met l'électricité? Celui-là. Faut que je te mette un truc éther là. Sinon je te mets que physique. Ouais, je vais te mettre du physique. Hein. C'est mieux qu'électrique. C'est celui-là. Ok. Et là-haut, de toute façon. Éclater toi. T'as des jambes super bioniques, si. Ça coûte une blinde. Et en plus elle protège pas. On va mettre ça et puis voilà. Hein. Allez-y. Hop, t'as un peu plus de résistance physique. Franchement, c'est léger. C'est léger, hein. C'est léger. On va pouvoir se re-téléporter là où on doit aller. Si la carte le veut bien. Noctilum. Là. FN214. Frontière nave. On va dire frontière nave. Hop. Et ne m'agressez pas. J'en ai déjà beaucoup trop à tuer. Par contre le 6000 il me faisait plaisir. À affronter. Enfin à tuer quoi. Mais j'ai un peu peur que ça ne suffise pas. Hop. Alors j'espère que si. Alors je vais quand même sauvegarder. Et le truc c'est que. C'est bizarre que. Ah si si ça faut que je parle à Tatsu. Ouais, ok. On revient dans le combat, très bien. Tadam. Hop. Tir concentré. Ok, mêlée attaque. Attends, je sais pas lequel j'agresse là. C'est lui, ouais, c'est ça. Ok. On va faire ça. Ok, ça c'est pas dégueu. J'ai pas assez de pété malheureusement. Ok, ça on a pété l'appendice. Plutôt cool. Et
mêler contre ça. Faudrait qu'il pète le champ du coup. Et ça c'était pas mal. On va lui mettre. Hop, ça, ça soigne, c'est cool. Lui, on l'a tué. Paf, sans ça. Ok. Lui, je peux faire ça. Comme ça, derrière, je peux faire ça. Ah bah non, attendez. Ah mais non, il faut que j'utilise 1000 PT. Merde, c'est avec Laura. Ah, je me suis chié, là. My bad. Il faut que j'ai 1000 PT. C'est pas bon, ça. Et ça c'est cool. Je vais le mettre sur là-haut. Hop. En tout cas j'ai l'impression que ça se déroule beaucoup mieux. J'aimerais le garder sur lui. Voilà, hop. On va le faire sur ça. Mais j'ai pas l'aura. Ah merde. Ouais. Du coup j'ai perdu les dégâts là. Parce que j'ai pas fait l'aura. Ah lui il est mort. Bon. Ça me fait des dégâts. Ouais. Il faut que j'ai 2000 du coup avant d'utiliser l'autre. Mais en tout cas, là, la résistance, ça fait clairement la différence. Hein. Enfin, j'ai quand même bien l'impression que c'est pas du tout la même partie de rigolade. Comme quoi, 20 de résistance, ça fait beaucoup du coup. Hein. Ça joue beaucoup. Pas besoin d'être à des montants aussi élevés que 100 ou autre. Il suffit d'être un peu résistant, c'est mieux que rien. Très bien. Hop. Parfait. Je n'ai pas été inquiété. Alors que franchement, ça partait mal. Il va y en avoir de plus en plus. Hein. Oula, il est très très gros lui. C'est un très très gros ça. Pimpin. Impassible. PLS. Impassible. Elle a de beaux yeux, Elma. J'ai pas remarqué. C'est ça l'alpha? Bon sang. Oh, bon, on est dans la merde, hein. Abattez-le, tous. Pin, 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 pin. Niveau 24, fin 5. Ah, oui. Ça va être compliqué. Ben vas-y, hein, fais fire. Ok, piou. Piou. Ouf. Ouais, on va se faire de la résistance. Ok, mêlée attaque. Mêlée attaque, elle nous dit. Merde, je me suis raté. Ouais, alors je veux pas faire mon jaune maintenant. J'aimerais attendre mais d'avoir des PT. Ok, il résiste à ça, c'est pas cool. Hop. Tchac. Et de la pluie. Aïe. Non, 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 merde. J'aime pas trop le fait que là-haut soit mort. C'est où? Maintenez votre tension. Allez, le fan. Aïe. C'est pas cool. C'est pas cool. J'aimerais avoir mes PT. Ça qui est chiant. J'aimerais avoir 2000. Que je puisse faire le bleu. Tada. Résistance à l'éther. Aïe. Résistance à l'éther, c'est bien quand même. Dans l'idée. Ça y est, résistant. Donc c'est pas cool. Mais les attaques. Tu peux monter au 2000. S'il te plaît. Ok, je suis à 2000. Oh non, je l'ai raté, sérieux. Ouais, ouais, ouais. Il a fait 10 000 dégâts, là. Ok, alors par contre, elle a pas ranimé là-haut. Rassemblement. Ça marche, ça, si je fais ça? Non. Parce que l'autre elle a 4002 là.
active ton méta mode. Il y a quelqu'un qui l'utilise. Ah merde, il y a l'allié. Il y a un allié qui vient. Aïe. Ah, il m'emmerde lui. C'est pas cool ça. Ouais, ça a rien fait. Ah merde, ça a pas appuyé sur le bon bouton. Tire concentré, ouais. Non, maintenez votre tension. C'est important. Ok, Lynn. Ah non, c'est moi qui crève là. Aïe. Ah, je suis mort. Non, mais. Mais. Pff, sortent d'où les autres là? Ah bah non. C'est perdu là. Mais pourquoi il y a les petites merdes qui se sont mises à côté là? Putain. Mais non. Mais non. Ah bon. J'espère juste qu'on n'aura pas à tuer les trois premiers autres dans le prochain épisode. On s'arrête là donc. Merci à tous d'avoir suivi celui-ci. Et on se retrouve dans le prochain pour la suite. Ciao, ciao tout le monde.